Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ETS2. Aujourd'hui on reprend les combats exceptionnels. Vous avez vu la petite cinématique juste avant, on va transporter du très 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 lourd. Et donc du coup on a quelques petites consignes, voilà, avec des voitures suiveuses, vous connaissez un petit peu le principe. C'est le DLC je sais plus quoi qui était sorti déjà à l'époque. En gros DLC convoi exceptionnel avec voitures suiveuses et compagnie. On nous dit qu'il faut éviter les conflits avec les voitures pilotes et rester au milieu, donc c'est-à-dire ne pas... On nous explique également comment se rabattre et tout, comment ça se passe d'abord que la voiture arrière se rabatte, ensuite, ensuite la voiture devant et ensuite le camion. Ça se pour changer de voie. Méfiez-vous du trafic lorsque vous dépassez les autres conducteurs. Respectez... mince, ça c'est chiant. Respectez la vitesse imposée. Donc je crois qu'on n'a pas dépassé les 60 km/h de mémoire, donc il me semble que c'est ça. Donc c'est plutôt pas mal. Donc allez, on est parti. On est parti, regardez la voiture, s'en va devant, c'est parti, let's go. J'étais ok. Donc normalement le convoi est assez gros, ok. Donc là vous l'avez vu mon petit Merco aussi, c'est mon Mercedes, le bleu, rappelez-vous. Je l'ai modifié, remodifié pour qu'il soit OP pour du convoi exceptionnel. J'ai changé les deux gros essieux derrière, plus adaptés au convoi exceptionnel. On a changé la couleur, on a mis des pneus également plutôt jolis. J'ai changé les petits enjoliveurs et tout, chromé et tout, ça a de la gueule. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui est changement sur le camion, sur l'électro, sinon c'est exactement le même. Ah, par contre j'ai toujours essayé gyrophare. Voilà. Donc là il va falloir qu'on fasse attention au gabarit bien sûr. Et du coup vu qu'on est en convoi exceptionnel, eh bien logiquement... voilà, attendez, voir, je vais juste m'arrêter 2 minutes là, je fasse ça parce que ça forcément ça va pas marcher. Voilà, et là c'est parti. Du coup les feux on s'en fiche un petit peu. Faut juste que je fasse gaffe quand même là, que j'arrache pas le feu. Donc on part bien sûr de Dijon, direction Genève, c'est un petit convoi qui est pas très très long non plus. Voilà, donc là la voiture devant, devrait nous guider, du moins écarter un petit peu les voitures devant également. Donc c'est plutôt pas mal, franchement je suis assez content. Vous voyez que sur la droite, dans le rétro en haut à droite, vous voyez que les lampadaires, bah, ça passe pas très loin. Si on est obligé de se déporter légèrement sur la gauche, on va tenter d'arriver sans dégâts. Donc j'ai fait un convoi juste avant... Également, je vous l'ai mis une petite photo, je crois, sur Instagram en story, que quoi, je reprenais un peu les convois exceptionnels. Et du coup, je lui ai demandé si vous voulez une vidéo, du coup, bah, il dit oui, forcément, donc du coup, je m'exécute. Et force est de constater que ça fait plaisir. Et du coup, on est parti pour faire un sacré convoi. Bon, c'est pas très long, il y a que 3 heures de route, hein. C'est pas hyper long, mais vous voyez qu'on ne dépasse pas les 60 km/h, vous voyez le petit rond en bas, à droite, pardon. Panneau 60 km/h maximum, il faut pas qu'on dépasse cette vitesse, c'est la vitesse en convoi exceptionnel. Donc du coup voilà, en tout cas j'espère que ça vous fait plaisir, n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus comme d'habitude à la vidéo. On va tenter de rouler prudemment, et c'est vrai que le Actros, je me rends compte que le Actros c'est qu'il y a, donc j'ai également bodybuildé le Actros, je crois qu'on est passé de 510 chevaux de mémoire. Allez, à 620 chevaux, 625 chevaux également, donc là c'est cool. Alors, attends, on va rouler doucement quand même Jérémy. Parce que là, du coup, ça passe, hein, mais il faut faire gaffe. Ok, donc on sait bien, c'est que la police arrête la circulation. On est plutôt pas mal, c'est vrai qu'on a un sacré convoi quand même. Il me semble que ce convoi là, d'ailleurs, je l'avais déjà fait. Il me semble. Je me demande si on n'avait pas fait d'ailleurs le même trajet, mais bon. Vu que je suis obligé de partir de Dijon, parce qu'en fait, il faut prendre le trajet. Il doit y avoir un autre qui existe qui permet de téléporter le camion à un endroit ou à un autre. C'est que là, j'ai pris le trajet le plus peu. En fait, j'ai rapatrié mon camion à Dijon. J'ai pris du coup, et ça tombait bien qu'il y avait un convoi exceptionnel de là, c'est exactement le même que j'ai fait juste avant avec une autre cargaison. Mais du coup, bah, déjà se connaît un peu la route comme ça au moins. Et du coup, voilà quoi. Même si c'est un peu le même trajet qu'on refait, que j'ai déjà fait avant, au moins. Et puis je sais qu'il dure pas hyper longtemps, 3 heures de route c'est pas mal avec les voitures suiveuses et ouvreuses devant, ça ouvre un peu la route. Du coup, voilà, je sais plus le nom du DLC, mais je vous le conseille vraiment pour ceux qui aiment le convoi exceptionnel. C'est pas mal. Bon là le camion, je me rappelle à l'époque, cette cargaison là on l'avait faite, et j'avoue le camion avait un petit peu de mal à tracter, alors que là on est passé à plus de 600 chevaux, je peux vous dire que ça tracte sans problème, hein. Voilà. Allez, tout droit. Le plus dur c'est de pas dépasser la limitation tellement que ça roule bien, donc là on va tout droit. Je me déporte toujours légèrement sur la gauche, hein. C'est vrai qu'on a rien du tout sur la gauche, à droite on a tout ce qui est panneaux, bordure et tout, donc j'espère qu'il y aura un petit événement de la circulation. J'ai eu le droit à un feu tricolore, un feu en travaux où je suis passé, mais alors plus que limite en vrai de vrai. J'ai dû pousser un peu les plots sur le trajet d'avant, les quilles se poussaient légèrement, mais ça passait quand même. Voilà, mais il faut faire attention. Allez, donc bien sûr, il ne faut pas dépasser les voitures suiveuses, hein, ça va de soi, mais si vous le faites, vous avez sûrement des pénalités, je sais pas trop comment ça se passe. Mais voilà, le but c'est vraiment de jouer RP et de se faire plaisir.
Mais en tout cas, ça fait plaisir. C'est vrai que les voitures s'arrêtent aussi bien de l'autre côté, donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et mon petit Mercedes, bah, ça fait plaisir de le retrouver. Franchement, ça fait plaisir. Je l'ai remis un petit peu en blanc, en gris. Plutôt joli. Voilà. Et c'est vrai que ça fait tellement plaisir de le retrouver, ce camion. Allez, on continue. On filoche, donc j'ai laissé la petite cinématique pour montrer un peu le chargement avant, voilà, c'est plutôt pas mal, et ce qui est bien c'est que du coup le camion en fait s'occupe de tout faire, en fait ils avancent le temps, ils font la coupure, on repart en D0, en fait on a un camion avec le plein, on repart de 0, par contre je sais pas si ça décompte de l'argent ou non le fait de faire le plein du camion automatiquement, voilà, parce qu'en fait ça, le jeu le fait automatiquement, mais c'est pas mal, au moins on part à plein, même si le carburant que j'avais suffisait largement pour 3 heures de trajet. Voilà. Bon, même si là je colle un petit peu limite, faudrait pas que je colle autant la voiture suiveuse en fait. Enfin, la voiture devant plutôt. Ok, donc là on va tout droit. Allez, tout droit. Après, je vais faire une petite vue externe pour montrer un petit peu le derrière comment ça se passe également. Voilà, c'est vrai que le chargement il est assez balèze. Ouais, on fait un petit bouchon, ce qui est tout à fait normal. Hein. En fait, je peux me coller. Ouais, si je reste à peu près là. Sur la ligne blanche à gauche, si je serre. Mince, je me crois sur farming. Non, voilà. Et en fait, il faut que je serre la ligne blanche à gauche, quoi. Que je vise. Voilà. Je me mette, que je me téléporte. Ouais, sur un peu plus sur la gauche. Que je me déporte, pardon, pas téléporte. Que je me déporte sur la gauche. Et comme ça, c'est pas trop mal. Ouais, 60 km/h. Ouais, de toute façon, c'est le tarif. Hein. On est sur du lourd, on peut pas aller trop vite non plus, surtout que... Bah, c'est pas que le camion peinerait à tracter, hein, parce qu'on sent qu'il y a de la puissance, surtout que... Bon, après dans le jeu, je suis pas sûr que ça risque grand chose, mais... Dans la vraie vie, vu la hauteur et vu le poids, à mon avis, si on prend un virage trop vite ou quoi, on a vite fait de se mettre sur le flanc, hein, je pense. Vu la taille du bazar. C'est vrai que c'est stylé, c'est comme exceptionnel, j'avoue, c'est quand même assez stylé. Ah non, je sais qu'il y a quelque chose, mais bon, c'est bon, c'est bon. Donc c'est pour ça que du coup on se retrouve plus qu'à 96 000 €. Alors j'ai bien remis des chauffeurs également sur mes camions parce qu'il y avait deux camions qui avaient zéro chauffeur, donc c'est bien que ça travaille quand même. Et bah du coup ça m'a coûté je crois au total 65 000 €. Toutes les... Là par contre on va rouler doucement Jérémy. Toutes les modifs que j'ai faites, c'est-à-dire bah essieu arrière, j'ai changé pour quelque chose de plus costaud. J'ai changé les enjoliveurs, toutes les petites trucs esthétiques. J'ai mis un mug également à l'avant sur le tableau de bord, ça coûte, mais c'est pas donné mine de rien, c'est connerie. J'ai également mis un petit carnet de bord Michelin, les petits goodies Michelin, franchement sur le TS c'est pas donné hein. C'est pas du tout donné. Allez, on va faire gaffe là. Voilà, ici comme ça c'est pas trop mal. Parfait, le virage j'ai pris nickel. Alors j'espère qu'il y aura également un feu hein, comme sur le trajet d'avant que j'ai fait. J'espère qu'on va rencontrer des travaux sur la route. Il y a toujours un petit événement normalement qui n'est pas prévu et qui met un peu de suspense au trajet, vous voyez ce que je veux dire quoi. Allez, c'est vrai que ça tombe, bah, je pense qu'on va le faire de rang, hein, je sais pas mais on verra. On est à 10 minutes de vidéo, à peu près 10 minutes, donc il y a peut-être moyen que ça passe tout, ce trajet là passe tout en une fois, hein. Je pense qu'on va pas faire de coupure. Je pense que les travaux d'ailleurs vont arriver, ils arrivent je crois à 1h30 de la fin, donc on va pas tarder d'avoir les travaux s'il y en a. Je pense que s'il y a les travaux les gars, il y a grande chance que je fasse la miniature ici, donc m'en voulez pas si je fais une petite coupure. Enfin, je pense. Ça monte, ça descend. Je verrai s'il y a une demi-heure du trajet, il n'y a pas eu les travaux, il faudra que je m'arrête faire une miniature, parce que sinon je n'aurai rien pour faire la miniature. Et je pourrais pas refaire le trajet, donc du coup, ce serait un peu con, quoi. Et on sert un peu sur la gauche. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas de voiture en face. Il faut aller 17h, 19h20, même dans le jeu, maintenant. Le temps passe, mais enfin, il y a peut-être moins de circulation. Et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal du tout. Ouais, le camion... Bon, là, je suis pied planche, hein. Bon, j'avoue, là, il dans la côte, j'avoue... Ça le met un peu à genoux, mais il y voit, il en voit. Bon, par contre, il y a de la voiture derrière, mais il n'y a pas de la voiture devant, donc c'est... Roule doucement, Jérémy, là, je me cale à 70, c'est un peu trop. Bien respecter la limitation, je vais peut-être allumer les... Ah, mais il y avait des feux déjà, en fait. Voilà. Alors, par contre, je sais plus la touche pour le gyrophare, j'ai galéré à chercher, je vois, tant pis. Il me semblait que c'était N, mais non, c'est de la trompe. Enfin, je sais plus. C'est peut-être haut, non? Je sais plus.
Non, c'est pas haut. Échec de relevage de l'essieu. Non, mais non, mais non, mais je veux pas relever les yeux. Bah, je sais plus. Bref. En fait. Ah oui, voilà. Ah, il y a les travaux. Ah, mais c'est. Là. Donc, c'est là où il faut se déporter. Ok. Bon, là, il y a de grandes chances, les gars, que je fasse la miniature ici. Et là, faut faire gaffe parce que là, du coup. Mais ça me paraît quand même un peu moins large que le chargement que j'avais avant. Bon, ça va sûrement passer là. Voilà, j'ai fait la miniature. Vous avez rien vu normalement. Si j'oublie pas de cutter ce moment au montage. Normalement, vous avez rien vu. J'ai fait la miniature ici parce que c'est vraiment l'endroit propice. Mais j'avoue, la cargaison passe beaucoup mieux que celle que j'avais avant. Elle était moins large. Plus haute, mais moins large. Avant, j'avais. Je ne sais même pas trop ce que c'était. C'était un gros disque en fait. Je sais pas si vous avez vu ma petite story sur Instagram. Au pire, je vous mettrai peut-être un de la photo si j'y pense au montage. Si j'y pense, bien sûr. Ou c'était un. Je sais pas, j'ai même pas payé ce que c'était, mais c'était comme un gros disque plat. Bon, ouais, mais c'était super large. Donc, du coup, voilà quoi. Allez, on tourne là, du coup. Bon, là, on peut rester limite au milieu de la route, on s'en fout vu qu'il y a personne. Et qu'on a la route pour nous, ça sert à rien de se déporter trop sur la droite, prendre trop serré. Ce qu'il y a, c'est que la circulation a arrêté partout. On essaiera de s'en refaire un autre prochain, les gars, sur la prochaine vidéo, mais avec un trajet plus long, avec une cargaison assez intéressante aussi. Là, j'avoue, celle-là, on l'avait déjà faite, mais j'ai pas eu trop le choix, en fait, des cargaisons. Celle d'avant, j'aurais pu limite tourner la vidéo sur ce que j'ai fait avant, parce qu'elle était plutôt stylée. On dirait qu'on voit rien, là. La nuit commence à tomber, mais on dirait qu'on n'y voit rien. Ah, donc c'est bien ce que j'avais dit, autour d'1h30 de trajet, on avait enfin, quand il restait 1h30, on avait le truc, enfin, les petites zones en travaux, bah du coup c'était bien ça. Allez, et après normalement on va arriver en Suisse, parce que c'est jusqu'à Genève, donc on va arriver en Suisse, faut que je fasse attention, parce que c'est là où j'ai tapé, c'était en arrivant en Suisse. J'ai vraiment tapé, j'ai vraiment tapé comme un con sur un lampadaire, j'ai pris 10 dégâts sur la SMI, 10% de dégâts. On va essayer de faire attention, on va pas tarder d'arriver d'ailleurs en Suisse, je pense. Ce qui est bien, c'est que c'est pas de l'autoroute ou quoi, donc c'est cool. Hein. Mais je pense que les convois exceptionnels, en vrai les gars, je suis pas sûr qu'ils prennent tant d'autoroutes que ça, je sais pas. Mais moi j'ai rarement vu des gros convois exceptionnels sur l'autoroute, je pense que c'est peut-être interdit, je sais pas. Dites-moi en commentaire si vous savez. Mais c'est vrai que les convois exceptionnels, j'ai souvent vu soit très tôt le matin, ou il y en a même les extra gros convois. Je me rappelle d'un convoi une fois quand j'étais jeune qui était passé. Alors, je sais plus ce que c'était les grosses turbines ou je sais pas quoi, mais ils roulaient avec au moins, il y avait un ou deux camions devant, un ou deux camions derrière, pour dire la taille du truc. C'était un peu un événement dans le secteur, quoi. Tout le monde a été voir ça le soir quand ils s'arrêtaient près de chez moi. En fait, c'était pas très loin de chez moi où ils étaient, où ils faisaient la coupure, où ils allaient attaquer, parce qu'ils roulaient de nuit en fait, les gars. C'est ça. Ils roulaient pas le jour, mais ils roulaient de nuit, et c'était assez impressionnant à voir. Mais je sais pas du coup si sur autoroute, non, mais ou alors faut vraiment faire une autoroute, mais je sais pas si. Moi je pense pas qu'il passe sur autoroute. Hein. Je suis vraiment pas sûr du truc. Enfin, en tout cas, on a vraiment un magnifique coucher de soleil. Hein. En vrai de vrai, quoi de mieux là, on est pas mal dans notre Actros, mais je pense vraiment que l'Actros, les gars, c'est vraiment le camion que je surkiffe hein, au final. Hein. Encore mieux que le Scania, je pense. Ah, c'était notre premier camion et puis. Et il fait pas le même bruit, je sais pas si vous vous rappelez, mais je crois qu'il fait pas le même bruit. Il fait un bruit un peu plus rock, un peu plus costaud. Hein. On voit qu'il y a un peu plus de bourrin, un peu plus de cheval devant. Donc c'est pas mal. Allez. Bah, c'est pas trop collé quand même la voiture, j'ai remis, ce serait pas mal. Là, ça va prendre un peu d'avance. C'est vrai qu'on dépasse pas le 60, alors c'est pas beaucoup, mais là, pour le moment, tout se passe bien. Zéro dégâts, bon la récompense est pas énorme, vous allez voir, je sais même pas si on a 20 000 euros, hein, mais vu que le trajet est assez court. Ok, donc on va anticiper, clignotant. Là, votre circulation est arrêtée. Ah, c'est là, je crois, c'est là que j'avais failli taper, il me semble. Mais là, il faut prendre assez large quand même, parce que la voiture, regardez la voiture. Mais quoi qu'avec mon chargement, là, ça passe quand même mieux qu'avec l'autre. Ça risque rien, mais avec l'autre, la voiture là, la voiture des flics était assez serrée, j'ai dû faire gaffe quand même. Allez, on repart. Ouais, je pense que ça va passer en une vidéo, mais c'est même sûr que ça va passer. On aura fait tout le trajet ensemble, hein, et, voilà. Ça n'aura pas été hyper animé non plus comme vidéo, mais bon. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, si vous en voulez plus. En tout cas, ça fait faire une petite vidéo sur le. Ah, mais j'ai mis les gyros là. Non? Ah mais ouais, j'ai les gyros là. Ah mais j'ai les gyros, mais comment j'ai fait pour les mettre?
Sur quelle touche j'ai appuyé, je sais plus. Et là, on arrive en Suisse dans très peu de temps. C'est imminent l'arrivée en Suisse. Il me semble. Ouais, je crois que c'est la dernière voiture de police de gendarmerie qu'on voit. Il me semble qu'après, c'est la police suisse. Alors, je crois que c'était là, non? Ah, c'était peut-être là que j'avais tapé un camion ici, là. J'avais fait. Faut que je fasse gaffe. Ah, c'est ici, je suis arrivé comme un bourrin, je crois. Et il y avait un camion, j'ai pris le virage 3 à gauche, je crois que j'ai tapé le camion. Mais là, ça va, regardez, ça se passe beaucoup mieux. Ah, il y a faux lampadaire, là, il passe, à l'aise. Et je crois que ce lampadaire-là, de mémoire, avec cette cargaison-là, il me semble qu'on l'avait tapé. Oula, faut que je fasse gaffe quand même. Bon, si c'est un panneau CD passage ou quoi, c'est moins embêtant. Sers-toi, toi, avec ton magnum, s'il te plaît. C'est bon, donc là, on doit arriver en Suisse. On est en Suisse. La petite Suisse. C'est ici, c'est là où ça peut être un petit peu sur la fin du trajet. Avec les murs de chaque côté là, enfin surtout à droite là. Je check toujours le rétro. Allez tout droit. Yes, on va tout droit. Et là on est arrivé dans 15 minutes dans le jeu, donc ça va faire même pas 5 minutes pour nous. Alors, on voit le petit drapeau. Petit drapeau de fin d'ailleurs dans le petit encart. On arrive à Genève. Parfait. Alors c'est vrai que c'est dommage, je vous propose vraiment que des trucs par chaque fois au même endroit. Il faudrait qu'on fasse des convois exceptionnels, peut-être à l'étranger ou... mais ce qu'il y a, c'est que... je pense qu'il me faudrait d'autres garages dans d'autres régions aussi, hein. Il y a ça aussi, je pense. Oui, doucement. Il ne s'agit pas de foutre la cargaison dans ces derniers virages. Et on arrive vraiment de nuit pour le coup, là. C'est bizarre que ça le fasse de nuit comme ça. Je savais pas qu'on pouvait rouler de nuit avec notre cargaison exceptionnelle. Chaque fois, je croyais que c'est le jeu remettait à jour automatiquement l'heure pour pouvoir faire les trajets de jour. Allez, on tourne à droite. Le feu est vert, mais on s'en fout qu'il soit vert ou rouge. Là, de toute façon, la circulation, normalement, voilà, elle est arrêtée. C'est la première fois que je prends pas d'amende quand je rille les feux, les gars. Ok, et là normalement c'est pareil. Tourne à gauche. Tout est arrêté, c'est parfait. Alors doucement, j'arrive. Ouais, ça passe, ça a pas dû passer loin du camion. Ah ok, on arrive, nickel. Bah écoutez, trajet sans encombre, hein, au final, parfait. Donc là on va se mettre là. Nous y sommes, sains et saufs. Sain et sauf, c'est bon. Ou par contre, sain et sauf, mais le pilier du portail là-bas. Bah voilà, on a fini du coup. Par contre, je crois que je l'ai pas garé, non? C'est normal? Bon, ok. 14 000 euros, voilà, bon, c'est pas énorme, mais niveau 27, on avance petit à petit. Bah voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça aurait été assez court, mais assez long en même temps. 20 minutes de vidéo, c'est cool. Donc voilà, j'espère que ce petit convoi exceptionnel vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous en voulez plus. En tout cas, moi, je prends un grand plaisir aussi. Ça change un petit peu de faire des trajets classiques. Un peu de convoi exceptionnel, surtout qu'on a un beau camion qui est fait pour maintenant. Donc voilà, je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao, les gars.